Zombie. Voilà, il est caché. Voilà, j'ai caché un zombie. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Je réfléchis, gars. Parce que je suis sûr, j'ai plein de bordel dans dans mes coffres que je pourrais m'en débarrasser, je suis sûr. Alors, on va déjà vider un peu nos poches dans les coffres. Approprié. Le bois. Ça. Ah oui. Si je mets pas dans le bon coffre. Les diamants. Ah, je peux pas mettre plus de diamants. C'est quoi ce truc-là? Chèque bancaire. Ah oui. Diamant. C'est quoi ce truc? Ah oui. Je m'en étais déjà servi. Seau de jus de raisin. Ouais, ok. Il y a des trucs, je suis pas sûr de tout avoir compris, hein. Je sais que j'avais besoin de crâne, mais je sais plus pourquoi. Par un moment, il me fallait des crânes, mais je sais plus pourquoi. Parce que si je les ai stockés, c'est qu'il y avait une raison. Il va pas là, il va là-bas. Bah, j'essaye un peu de ranger quand même, hein. Ok. Ah oui, il faut une tarte au B. Avec étoile, ok. Tarte au B, étoile. Est-ce que je sais fabriquer ça? Il me semble que je sais fabriquer. Mais est-ce que j'ai les ingrédients? C'est ça, la question. Alors, une tarte au B. Tarte au B. Carottes. Ça, c'est les poissons. Hamburger. Ok. Pas ici. Au crâne qui parle. Tarte au B. Tarte au B. Ah, tarte au B. Alors, il faut quoi? De la pâte feuilletée, ok, et du jus de B. 5 jus de baie, 5 tartes. 5 jus de baie, 5. Ok, il me faut 5 comme ça. J'ai vu que. Ok, j'ai pris ça. On va faire un concours. Ça va faire des ventes. Les gens sont contents. Pardon. Ah oui, c'est là. Avec trois, qu'est-ce qu'on peut faire? Un concert. Allez hop, on fait un concert. Ça fait de l'argent et puis voilà. Je le sens dans l'air et dans l'eau. Je le sens au-dessus et en dessous.
Je ne me sens plus fort, plus douce, plus torride. Voilà. L'amour. Ouais. Ouais. Voilà. Ils sont contents. Ok, je peux lui filer peut-être à boire. Je vais aller rechercher à boire dans mes stocks. Alors, j'ai quoi? Est-ce que j'ai dû à boire? Non. Ah, bah, si, j'ai des baies sur moi déjà. J'ai des panna cotta. Ah, j'ai pas forcément dû à boire. Ok. On va lui remplir les. Alors, panna cotta, œuf. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te filer? Ah, il a un peu à bouffer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui filer? Des muffins. Ouais. Alors, pour faire du jus de baie, je sais plus où est-ce que ça se fait. Le jus de baie. Ça doit être dans le truc qui se presse. Ça me dit quelque chose, le truc là-dedans, attends. Ah bah si, jus de baie. Il me faut des pommes et des baies. Ok, c'est juste moi qui ai teubé en fait. Ça me gratte l'œil. Vous allez me dire, on s'en fout. Je veux dire, vous avez raison, mais moi je vous informe, c'est tout. On n'est jamais bien informé. On n'est jamais assez bien informé. Alors, du jus de baie, il m'en faut 5. Ok. Et pour faire... Ça doit être dans le four, peut-être. Cracker, cheesecake... Pudding au baie, oh! Je crois que j'ai des recettes, je savais même pas que j'en avais. Cracker au miel. Ah, il faut de la pâte feuilletée. Et moi, j'ai pris la pâte brisée, d'accord. Ok, c'est moi qui m'ai trompé. Pâte feuilletée, ah, il faut farine... Lait, œuf. Et ça m'en fait 4. Et m'en faut 5, c'est ça? Non. Non, il m'en faut une. Ah, d'accord! Ok, c'est moi qui m'ai trompé. Farine, lait, œuf. Ok. Ok, un nouveau cadavre. J'ai ma manette qui clignote, je crois que j'ai peut-être plus de batterie. Ouais, je regarde. Ah. Pour faire un meilleur zombie, il faudrait enlever... la graisse. Le sang. La chair.
Voilà, ça me paraît être un bon zombie comme ça. Il y a moyen de faire mieux, mais bon. Ok. Donc, il faudrait que j'aille au cheval mort, acheter des œufs, du lait à la petite ferme. Alors, je sais jamais combien ça coûte. Ok. Ok, il y a des œufs. Ok, si tu veux. Le lait. Ça y est, je deviens fou. Le lait. Attends, madame. Bon, bah, attends. Tant qu'on y est, hein. Il y a eu une longue file d'attente ici. Corinne, Adam, le meunier, le marchand et 5 autres. Tous sont venus très élégamment. Ils ont chargé de fleurs et de cadeaux. Oh, ils sont venus courtiser Rosa. Le berger apparaît. Il les repousse tous et prend Rosa par la main. Il l'embrasse et il l'emporte dans ses bras. Ah, il veut du caca. Mais moi, je voulais du lait. On va dormir. Me sort rafraîchi. Ouais. Ben, on va dormir. Souci, c'est que, voilà. Allez, dépêche-toi. Il me semblait que le temps pouvait le faire accélérer plus vite, en fait. Voilà, hop. Cheval mort. On va aller chercher du lait. Elle est sortie, elle est pas sortie. Elle est sortie, ok. Lait. Ok, moi j'ai tout acheté. Hop, je rentre chez moi. Pas de feuilleté. Ah, oui. Il manque la farine. Ah, je sais plus. La farine. La farine, oui, c'est ça. On va juste en prendre 20 parce que je sais plus combien il en faut. On peut passer par notre cabanon. Ah, faudra refaire des caisses. Va falloir que je refasse des caisses. Ok, j'ai vendu. Il va avoir un nouveau cadavre. Ok. Alors j'étais pas sûr de... J'ai peut-être fait un peu beaucoup en fait. Ok. Voilà. On va peut-être mettre le reste alors.
Ça paraît bien comme ça. J'aurais pu tout foutre là-dedans aussi. Mais bon, on est gentils, nous. Hop, on refait du jus de pomme. Dommage qu'on peut pas mettre un zombie là-dessus. On va refaire du vin, de l'alcool. J'arrive, j'arrive. Je peux lui filer une tarte au fantôme? Normalement, il me reste que 5 carottes, c'est ça? Non, plus de carottes, donc j'ai plus de raison d'avoir un nouveau corps. J'en ai marre. Je vais prendre tout ce qui est bon et puis il va partir au feu celui-là. Hein. Ah. Attends, je me demande un truc. Est-ce que je peux lui mettre d'autres crânes? Est-ce qu'on peut lui rajouter des crânes, des os? Ah, je peux pas lui rajouter des crânes et des os. Ok. Tant pis. Je voulais balancer quoi? Ça, les os, les crânes. Lui va partir à la benne. Là. J'ai un crâne comme ça, je peux stocker. La graisse, le cœur, le tout. Ok. Je peux lui donner sa tarte. Quel délice. J'ai l'impression de ne rien avoir avalé depuis une éternité. Projetez-vous, Gedjou. Alors, qui êtes-vous en réalité? Comme je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être arrivé ici en tombant d'un appareil. Je me souviens du gardien qui était là, en train de s'affairer. Il m'a dit que j'étais mi-homme, mi-fantôme. Il n'aimait pas trop discuter avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Il était très réservé. Que savez-vous à propos de cet endroit? C'est ici que le gardien construisait ses mécanismes et ses appareils spéciaux afin de soigner les âmes et les renvoyer au pays des morts. De soigner les âmes? De quel mal? Comment ça, de quel mal? Mais du péché, bien sûr. Dans les temps anciens, les âmes paraissaient de l'autre côté. Passait de l'autre côté de manière naturelle. Lorsqu'elle traversait le pont, les âmes étaient purifiées de tous leurs péchés accumulés au cours de leur vie, en préparation d'un nouveau cycle. Mais après l'ancienne malédiction, l'ordre des choses fut chamboulé et les âmes demeurèrent coincées dans ce monde. Le gardien qui a construit cet endroit était déterminé à les libérer, car nul ne connaît les conséquences réelles d'un enfermement permanent des âmes en ce lieu. Ketia, il arrive au gardien. Il a dit que son temps ici touchait à sa fin. Et puis, il est parti. Il m'a dit au revoir. Il a scellé cette salle. Et il n'est jamais revenu. Et jamais je ne pourrai partir à sa recherche, ni même quitter cet endroit. Car loin de la boîte, je ne
je me décompose rapidement. Ok. Eh ben... Ok. Il fallait quoi? Ok, des dos, des morceaux de pierre. Alors, il en fallait quoi? 4, 8, 12, 2, 4, 6. 12 pierres, 6... 12 pierres, 6 dos. Alors, il y a moyen sûrement de trouver ça dans mes coffres. Je dois en avoir en stock. Alors, 6 comme ça. Ok, et de la pierre. J'ai pas de pierre. Ah. J'ai pas de pierre. Hop. On va aller à la carrière. Pourquoi j'ai pas de pierre? Ah. J'ai pas de pierre parce que j'ai pas remis de la pierre. Ok. J'avais... Ah si, j'allais dire j'ai pas de coffre, mais si, j'ai un coffre. J'ai des coins... Non, bah... On va dormir un peu, on va choper de la pierre un peu. Je sais pas pourquoi l'efficacité du zombie est restée coincée en haut. Il me faut de la pierre, attends, de la pierre. Oh, c'est quoi ça? Ah! Quelqu'un tient vraiment à se débarrasser de moi. C'est quoi que j'ai eu le verre? Poudre d'ordre. Ok. C'est la première fois qu'on voit un monstre en dehors du donjon. Ça fait bizarre. Ok, de la pierre. Ok, je pense qu'avec deux, ça devrait suffire. De toute façon, je peux pas en emmener plus que deux à la... Deux par deux, donc... Ah, il est bloqué ou... Ah non, il était en train de bosser, ok. Voilà. Alors, t'es bien gentil, mais... Voilà. Tu vas un peu pas vite, en fait. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai du graphite? Du fer. Du fer. Oui. Ok. Tac, tac, tac.
Qu'est-ce qu'on pourrait balancer d'autre? Lui, il est content, il emmène. Va falloir que... Ah oui, faut que l'autre, je lui dise de refaire des caisses. Des caisses, des caisses. Pourquoi il fait pas des caisses, lui? On va faire des caisses, à sa place. Ah bah voilà, il refait des caisses, bon. Fait des caisses, il est content, voilà, hop, il envoie les caisses. Bon. Ok, là, voilà, hop, lui, il fait des caisses, c'est bon. J'étais descendu pour aller déposer les matériaux pour la suite. Ah oui, il me fallait de l'huile. Alors, je me demande si j'ai pas une bouteille d'huile qui traîne là-dedans. De l'huile. Potion de rage. Bon, j'ai pas de... De toute façon, l'huile, c'est simple à faire. C'est, je crois, 10 de gras. Alors, ici, il fallait ça, ça, non, 4, 8, 12, il en fallait que 12, donc faut que je reprenne, non, je me suis trompé d'ordre, voilà, bien ça, 4, 8, 12, 2, 4, 6, ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai la musique de Zelda dans la tête d'un coup. Ça serait bien que je me débarrasse de certains trucs. Alors, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Le sel, les cendres. Alors, la pierre, je peux le ranger. Ok, je fais de la viande. Ok, il me semblait que... Oui, il fallait des pots. J'ai peut-être plus de pots, mais... non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Panacota, non. Attends, c'est quoi je voulais me débarrasser? Ah oui, la choucroute, c'est ça. Je voulais faire une choucroute. Et ben voilà, hop, on peut faire de la choucroute. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux me débarrasser? Attends, on va retourner au crâne. Ce que t'as. Alors, je peux te filer ça, ça. Ça, je peux en prendre, allez, 60. Peut-être pas 60, allez. 35. Voilà.
Ok. C'est quoi ça? De la pâte brisée. La pâte brisée, ça fait quoi? Je sais plus. C'est pour faire juste du pain, c'est ça? Ou... Les muffins. Ah oui, on peut faire juste faire des pains. Hop, je fais juste des petits pains, voilà. Hop. Ah. Ouais. Je voulais juste, en fait, les déplacer dans le sac à nourriture, mais c'est pas grave. Ouais, au cheval mort. Commercer. Alors, j'ai... ça. Ça. Voilà. Ça me débarrasse, ça fait un petit peu de sous. Quoi d'autre Il lui fallait... De l'huile, voilà, c'est ça. Du gras. Du gras. Comme on dit par chez moi, le gras, c'est la vie. Mais c'est aussi la mort. Tiens, hop. Là. Ok, tac. Tiens, de l'alcool. Du gras. Alors, est-ce que j'aurai du gras qui traîne? Ah, j'ai des petits croissants. Ok. Mais c'est pas là-dedans que je voulais du gras. J'ai pas une bouteille d'huile qui traîne. C'est bizarre. D'habitude, j'en trouve plein. Enfin, j'en trouve plein. Tiens, je vais mettre ça là, ça là. Parce que de souvenir, on fait du gras là. Ah, huile de graines, il me faut des graines de chambre. Ah, j'ai peut-être ça en stock. Des graines de chambre. Des graines de chambre. C'est un truc que je dois avoir en stock. Mais comme ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, je ne sais pas où est-ce que c'est. Vigne, vigne, houblon. Vigne. Il y a quand même beaucoup de raisins. Comme ça, j'ai plus de raisins or. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh oh, un petit. Donc, il me faut du chanvre. Alors, le chanvre, c'est facile à trouver. Hein. Je vais voir le mec dans son pot, il en a. Mais est-ce que j'en aurai pas en. Dans mes graines, dans ce qui reste? J'en ai peut-être qui traînent, quoi. Du chanvre. Alors, des graines de chanvre. Vigne, blé, chanvre. 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 Voilà, j'en ai 4. C'était ça? Il en fallait 4 ou... Il en fallait plus, je sais plus. 4, ok. Ok, j'ai de l'huile de graines. C'est ça qu'il lui fallait. Non, du sang... Une bouteille d'huile. De l'huile, c'est de l'huile, hein. Que ce soit de l'huile de graines, de l'huile de friture, de l'huile de maïs, de l'huile humaine. De l'huile, c'est l'huile, hein. On voit pas, hein. J'ai trouvé de l'huile. Et vous certain de pouvoir utiliser pour lubrifier la trappe? Elle sent tout de même un peu bizarre. Mais oui, c'est l'huile tout ce qu'il y a de plus normal. J'en doute fortement. Cette odeur me rappelle quelque chose. Mais je n'arrive plus à me souvenir de quoi. Alors là, c'est pas vrai parce que c'est de l'huile de chambre. C'est de l'huile naturelle. Vous voyez, mon huile a marché. La trappe est décoincée. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, c'est joli. En tout cas. Par la furie de l'ancien, qu'est-ce que c'est que... On dirait qu'un géant s'est... En goguette s'est servi de cet endroit pour organiser un pot de départ. Qu'allons-nous faire?
Ça va aller, nous allons démonter les meubles cassés pour les remplacer par des nouveaux. C'est tout. Vraiment? Vous allez m'aider à m'installer ici? Disons qu'avec cette petite récompense à la clé, les choses seront certainement facilitées. Les temps sont durs. Eh bien, d'accord. Eric, ça vous ce que c'est? À vue nez, il doit s'agir d'une œuvre d'art ancienne. Il me semble avoir vu quelque chose à proposer dans les notes. Ah oui, voilà, ça a été déterré derrière l'église et a été reconstruit à partir de plusieurs pièces. Intéressant. On dirait une sorte de vitrail. Ça pourrait être chouette de l'installer dans l'église. C'est plutôt joli. Oui, si ça vous chante. Mais il faudrait d'abord commencer par réparer ma chambre. Nous pourrons ainsi en profiter pour faire un petit peu de tri de tout ça. Ok, il faut 3 pots. Planche clou. Planche clou. Planche clou. Bâtonnet. Planche clou, bâtonnet, rondin, cuir. Ok, ça va être simple. On va juste aller rechercher tout notre bordel. Alors. Il me fallait des clous. Pas là-dedans, déjà. Pas là-dedans. Alors, des clous. Ah. Moi, j'ai plus beaucoup de clous. Ça. Planche clou. Alors, on va prendre ça. Des rondins. Alors, j'ai des carrés. Un clou, des planches, un rondin. Je vais en refaire un petit peu hein, quand même. Je vais peut-être en faire. Allez. 20 comme ça. De toute façon, j'ai plein de bois. Et je m'en sers pas, donc. Autant faire des trucs avec. C'est moi ou avant on travaillait plus vite? Ah, ok. Je pensais qu'on pouvait en faire plus. C'est peut-être moi aussi qui travaille pas vite, hein. En plus, il me semble qu'on peut pas annuler. Ok, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça. Attends. Pousse-toi voir. Hop, je vais faire des clous. Des comme ça. Ok, je pense avoir tout. Parce que j'ai quoi? J'ai des planches comme ça, j'ai des comme ça. J'ai des petits bâtons. Des planches. Peut-être refaire des bâtons ronds. Un ou deux. Je sais plus où on les fait les bâtons ronds. Non. Bah, je sais plus. On va voir ce qu'on peut déjà réparer. Ah oui, le cuir, il fallait... c'est dans l'église. Je peux aller en chercher dans l'église. On va voir ce qu'on peut déjà réparer. Pardon. Réparer. Ok. Ok. Une dent. Je me demande à qui elle appartient. Jerry saura peut-être. Je devrais lui demander.
3 cuir, ok. C'est 3 comment, il faut 3, juste 3 pots. Ah bah, c'est tout. Je dois en avoir... bah, par là, je crois, des pots. Ah bah, j'en ai juste 3, là. Ok. Ok, alors, vu l'heure, je pense que je vais bientôt m'arrêter. Je vais juste ramener 3 pots dans le coffre. Et puis, on va s'arrêter. J'ai quoi sur moi? Ah oui, j'ai quand même pas mal de bordel. Il va falloir que je vire du bordel. Attends, on pouvait pas faire des pots? Bon. Non, bah, je vais remonter, je vide mes poches et puis ça devrait être bon. Ok, là-dedans, je peux faire des trucs. Ah oui, je peux faire de l'agneau. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je pouvais faire ça aussi. Allez, hop, on vide les poches. Et puis... bah, on va s'arrêter pour aujourd'hui, quoi. Alors... on va foutre le fer. Voilà. J'ai vidé les poches. Les parchemins, je les avais piqués où? Les parchemins, ah oui, au crâne. Vas-y, j'ai deux, on peut faire des courses de rats, vas-y. Ouais, ils sont contents. Ok, je peux peut-être lui refiler de la bière. Parce qu'on en a peut-être ramené de la bière depuis le temps. À moins qu'il se serre tout seul. Ce qui serait fort... aimable. Ouais. Ah oui, il faut que je mette les parchemins. Il faut que je remette les... Bon, bah, on va les mettre là. Ok. Hop, hop. Je regarde dans mon coffre. C'est bon. On rentre à la maison. Hop, on sauvegarde. Et puis, on s'arrête. Voilà. Eh ben, sur ce... Hop, menu principal, oui. Sur ce, bah, je vous dis merci à tous d'avoir été là. Et puis, on se revoit demain. Voilà. Au revoir.